Eh bien bonjour et bienvenue dans Spirit of Iceland. Donc c'est un jeu de survie, de construction et de gestion de ressources, on va dire. Voilà. Et aussi il y a une partie un petit peu financière dans le jeu. Alors je pense que c'est un endroit où vous devez attirer la clientèle touristique, tout en allant combattre des bestioles ou quoi, en allant chercher des ressources, en ayant un discours social avec les gens d'ici, et voilà, et en gérant certains prix. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'interface. Bon, après vous pouvez avoir le détail dans le jeu, hein. Donc là, l'interface, vous tapez sur tab. Vous avez une interface ici qui est un peu votre quête active, en plus de ce que vous pouvez faire. Voilà, exemple, là c'est faut parler à 10 relations. Voilà, ici vous avez un genre de check de ce que vous avez fait. Donc en 1 h 30, 2 h, j'ai joué un peu avant, hein. J'ai fabriqué des objets, etc. J'ai collecté des objets. Votre inventaire est limité à ça pour l'instant. Donc on parlera des petits problèmes juste après. Donc là vous avez un inventaire ici, les vêtements ici, vous avez ici comme un jeu de survie. Donc c'est fatigue, soif, faim, tout ça, bien nourri, etc. Vous avez ici des skills par rapport, mettons, si je vais beaucoup collecter d'arbres, eh bien je vais avoir des skills qui vont monter, qui vont, au départ j'ai un coffre en bois, débloque le coffre en bois. Donc en fait, là, il faut que je collecte beaucoup d'arbres pour avoir le coffre et non pas attendre dans le workbench d'avoir un coffre, mettons. Donc ça, il faut bien regarder ça, voilà, parce que si vous regardez pas, vous pouvez passer à côté de choses et du coup, vous perdez. Vous allez voir, soit vous allez tourner en rond, soit voilà. Donc c'est un menu important. Les compétences, c'est un menu important, même si on ne peut pas activer les compétences. Les compétences vont vous dire quoi faire pour la débloquer. Ensuite, vous avez les messages des mecs qui vous parlent, voilà. Vous avez ici la map. On peut voir, voilà, vous avez différentes îles. Il n'y a pas de, on peut pas se déplacer ailleurs, tout ça. Ici, vous avez un calendrier. Bon, après, je vois pas. Il y a des événements sur l'île, donc après, vous pouvez aller la fête. Tiens, ici, il y a, je sais pas quoi, il y a quelque chose ici. Après, vous avez un journal de ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé, etc. Ici, vous avez tous les gens avec lesquels vous avez conversé. Exemple, lui, j'ai 2%. Il y en a un autre où j'ai moins parce qu'il m'a demandé si j'étais. Je lui ai dit, oh ben moi je lis pas trop. Lui, il est bibliothécaire. Lui, le mec qui est juste ici, je lui ai dit, moi, lui, il aime lire et tout. Et moi, je lui ai dit, pas trop. Enfin voilà. Et du coup, pof, il m'a mis moins 5 d'entrée. Il n'a pas trop aimé ce que j'ai dit. Vous prenez lui, il est sympa. Voilà, c'est un genre, lui c'est le disque jockey un petit peu de la boîte, lui c'est un peu le clodo, l'homme de la nature, lui c'est un bibliothécaire, le reste je sais plus trop, lui aussi, non c'est une mamie elle, et voilà. Et vous avez ici une partie gestion, donc là vous avez des magasins, loyer, exploration, vous avez des trucs, c'est là où c'est pas mal, vous avez des bénéfices et tout. Ça, dans, si je peux le comparer à Dincom, vous avez un petit peu moins cet aspect-là, voilà. Ça, c'est surprenant de voir ça dans ce genre de jeu. Voilà, après, bon, on en vient à l'interface, donc vous pouvez faire des raccourcis comme là, j'appuie sur la molette et j'ai mon inventaire qui arrive, parce que si vous tapez sur tab, vous arrivez uniquement ici, en fait, à chaque fois. Donc là, j'ai mis molette ici pour arriver ici. Voilà. Donc c'est un jeu globalement qui est pas vilain. Mais il est pas foufou quoi, voilà. Il a des mécaniques un peu vieilles de jeu. Voilà, il y a des trucs qui sont sympas, mais il y a des mécaniques qui sont un petit peu vieilles. Donc là, vous pouvez attribuer un objet. Si je fais ici, j'attribue ici. Enfin, c'est pratique. Je vais attribuer l'objet ici. Voilà, en appuyant là. Si je veux me séparer de ce bois, ben, je choisis la quantité ici et je fais déposer ou supprimer. Ça c'est quelque chose qui va être assez sympa d'avoir supprimé, parce qu'il y a des objets qui se recolleront à vous et il faudra bien sûr les supprimer ou alors les mettre vraiment ailleurs. D'où l'intérêt d'avoir un coffre. Voilà. Alors, vous pouvez donc vous déplacer. C'est un jeu qui joue à la souris et au clavier. Donc souris, là je suis au clavier, voilà, nickel. La souris va vous servir pour taper.
Vous pouvez avec la souris changer, non pas sur le slot 1 qui est un slot de combat, mais là vous pouvez changer des... Ah si, slot 1 aussi, voilà. Vous pouvez changer le truc et vous pouvez combattre aussi, il y a des animaux à combattre. Vous pouvez avec la souris clic droit et vous pouvez faire ce genre de truc là. Vous pouvez très bien jouer comme ça, à un moment donné vous y arriverez peut-être à jouer un truc comme ça. Et vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche. Et ça c'est le premier point négatif. On ne peut pas regarder à droite et à gauche, autant si je veux regarder par là, on peut pas. Alors que ça nous servirait dans le gameplay, parce que lorsque je vais ici, je ne peux pas voir derrière à part comme ça. Ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, je vais vous le montrer. Je prends ça. Ok, j'ai pris des noix de coco. Parfait. Je viens ici. Je veux m'en débarrasser. Donc là, j'ai la noix de coco qui est de position 7. Et elle est là. Je veux m'en débarrasser. Donc, pour s'en débarrasser, il faut faire inventaire. Cliquer sur l'objet. Supprimer ou déposer. Là, on va faire déposer. Déposer, déposer. Là, il vous fait rien. Et vous revenez, elle est déposée. Si maintenant, je prends ça, je viens ici, je veux me débarrasser de cet objet, la carotte. Je fais inventaire, carotte, choisir la quantité, supprimer. Voilà, et là il me repose la question. Vous êtes sûr? Confirmez. Et là on a un écran noir. Et on est obligé de rappuyer sur le truc pour revenir. Et de refaire ça si on veut un autre objet, si on veut supprimer un autre objet. Voilà, on ne peut pas associer, je ne pense pas. Non, on ne peut pas associer plusieurs objets et dire je veux là. Donc ça sous-entend que à chaque fois que vous voulez supprimer un truc de votre inventaire, vous allez devoir faire 4 manips pour un seul objet et recommencer après. Ça, c'est à éviter de faire. Pour les développeurs, ça c'est à éviter, il faut pas faire un truc comme ça. Là, on va dormir. Ça sera plus sympa. Alors, on va dormir 6 heures, 7 heures même. Donc là, on voit qu'à gauche, il faut que je trouve 3 livres. Ça, c'est mes quêtes actives. Et ensuite, il va falloir que je trouve des planches. Alors, les planches, je les ai maintenant. Il va falloir que je fasse un paquet de clous, du scotch et de la corde. Pour donner à un pirate pour un bateau. Donc ça va être facile. Parce que maintenant, j'ai ce qu'il faut. Donc là, on va prendre ça. C'est quoi? Est-ce que j'ai pas pu prendre? Bon, peu importe. Est-ce que je peux faire... Ah non, mais j'ai du cuivre, ça sera pas des clous. Briques, non. Bois brûlé. J'en ai pas du bois brûlé? Attends. Ah d'accord, c'est tout ce que j'ai pris sauf le bois brûlé. Donc là, on va manger. On peut pas. On va faire déposer. Voilà. Et du coup, on va chercher notre bois à brûler. Il le prend ou il le prend pas? Et il a pris. On retourne ici. On fait ça. Et maintenant, je peux faire des lingots de cuivre. Donc là, je ne sais pas combien j'en ai. Ok. On en a 4. On peut en faire 4. Voilà. Donc là, il fait son truc. Donc là, on est au petit matin. Hein, du coup, voilà. Il n'y a pas de zoom, on peut pas descendre. Le zoom, il n'y en a pas. Donc on garde toujours la même distance. Ce qui me fait penser que ce jeu était prévu pour une tablette au départ. Il y a tout qui correspond. C'est-à-dire que on peut pas, comme une tablette, on va pas zoomer parce qu'on a un petit écran. On va pas aller plus loin, on va rester pour voir bien l'écran, on va rester à cette distance. Ensuite, on ne peut pas faire de rotation. Donc voilà, et l'interface, ça sent le tactile. Voilà, ça sent le tactile. Voilà. Et juste quand on supprime et qu'il y a l'écran noir, c'est encore plus flagrant. Si je fais ça, mais regardez, je vais là, je viens là, je fais 1, 2, 3, et je reviens, et 4, et 5, pour refaire, et là on peut refaire autre chose. C'est juste pas bien. Du tout. Voilà. On va faire donc il me faut de la corde, non c'est ça qu'ils m'ont dit. Pour de la corde il me faut des feuilles. Alors on va prendre des feuilles. Je sais, non c'est pas ces feuilles là.
Attends, je sais plus. Est-ce que c'est ces feuilles-là ou pas? Non, c'est pas ces feuilles-là. Ah, c'est les feuilles médicinales que j'ai pris, sérieux? Ah, tiens. Ok. On va reprendre du bois, 3. Ah, fibre de plante, donc c'est ça alors. Ça. Non, oui, j'en prends un, mais. Ok. Allez, vas-y. Faire des cordes avec ça. Parce que je prends ce qu'il faut là pour l'instant. Fibre de plante. On va profiter et en prendre beaucoup. Alors pour je vous ai pas tout montré. Parce qu'arriver à un niveau comme ça. Donc là on va pouvoir faire des. Ici on va pouvoir faire des cordes. Donc on va en faire 5, allez. Voilà. Si vous voulez après on va. Attends, on va dormir un peu parce que j'aimerais bien que ça soit la journée là. Parce que franchement. Ah il est déjà fatigué le mec. 4 heures. Ah non, il a soif, il a faim. Okay. Allez, vas-y. Voilà, réveil, on va manger. Est-ce que j'ai à manger? Est-ce que j'ai à boire déjà? Non, j'ai pas à boire. Super. Alors il faut trouver une fontaine. Il y en a une mais elle est pas ici. Manger c'est facile. Peut-être que ça va me. Ah oui, sac plein, vous voyez le truc. C'est ça qui est assez pénible. On va déposer. Pourquoi? Alors, on va appuyer sur 7 alors. Il veut pas. C'est magnifique. On va déposer là cette truc là. On va supprimer même. Allez hop. On s'emmerde plus. Tu vois, c'est pas possible de faire ça. C'est impossible. Donc la toque. Donc là, j'ai mangé, c'est bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Voilà, ici. Alors, on va pas la battre. Hein. On va juste faire ça. Sinon, ça devient ridicule. Sinon. Il fait 7, il va manger. Il mange ou pas? Il a déjà mangé, il a plus faim de ce truc. Pourquoi il mange pas? Bizarre. On appuie sur 7, il a pas... Il le fait pas automatiquement. Tiens, un autre pommier ici. Donc il y a un aspect survie qui est quand même... Même si le jeu est un peu vieux ou dans sa démarche. On a quand même des trucs. 7. Allez, vas-y, mange. Ouais, on fait à la souris, en fait. Vous avez ici des poissons. Donc je ne sais pas si on peut faire du carnage. Non, on peut pas. C'est dommage. J'ai un fil à papillons. Mais enfin, manger des papillons, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors je vous montrerai un autre aspect du truc. Donc déjà là, on va pouvoir prendre. J'ai plus rien, donc on va manger encore. Voilà. On va pouvoir prendre les trucs, voilà. Ça c'est bien. Du coup c'est bon. Ah, on peut encore en faire? Non, c'est fini. Je sais pas, bon il en fait un peut-être, j'en sais rien. Alors maintenant voilà. Donc là vous aviez ici une genre de forge. Ici, on va récupérer encore ça, les cordes, voilà. Et si vous voulez construire, il faut faire, vous vous positionnez à un endroit, voilà, et vous faites B. Et le B vous permet d'avoir cette interface qui est plutôt sympa parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut avoir un établi, pour avoir, oui, là il faut 6 pierres et 4 feuilles. Il me faut 4 feuilles et je fais un établi. Donc là, l'établi est là. Alors, je vais en faire un deuxième. Parce que c'est, il est, le jeu est. La construction est lente, donc du coup, ça on va faire déposer. Du coup, je vais prendre des feuilles de là. Et on va faire un deuxième établi. C'est fait. Attends, on va nettoyer par ici. Ah, donc on fait B, hop, et on fait un établi. J'en fais un deuxième. À moins que ça... Ouais, c'est fait un deuxième. Là, je vais le
mettre en rotation ici. Ah, il est sur la route. Bon, on s'en fout, on marque. Est-ce que je peux... Attends, je peux peut-être le mettre là. Non. Non. On va s'arranger. 2 secondes. Merci. On va faire péter ce truc-là. 6. Non, c'est un filet à papillon, je ferai rien avec. 5. Vas-y, fais péter ce truc-là. Ok, ça aussi. 3. Faut virer ce truc. Voilà. J'en veux pas, j'en ai rien à faire. On va poser des trucs aussi là. Voilà. Donc, il y a des trucs que je vais poser, c'est... Qu'est-ce que je vais poser? L'arrosoir, j'en fais rien. Pour l'instant, déposer. Réparer. Ah, on peut réparer. Ah, c'est bien ça. Ah, ça c'est bien. Ça c'est un point positif. Qu'est-ce que je vais déposer? Ça. Parce que là, on va faire. Ah oui, on va poser le machin là. Où est-ce qu'il est? Ah mais non, B, on va le mettre comme ça direct. B. Ça, et on va le mettre ici. J'aurais aimé le mettre... Se mettre là, parce que sinon, si vous n'êtes pas au bon endroit, il fait pas le... Il le fait. B, R. Voilà. Est-ce que je peux le mettre là ou pas? J'aimerais que ça soit... Attends. On va enlever ce truc. Je suis désolé. Hein, je... pas... On va jeter des trucs. Parce que sinon on s'en sort pas. C'est quoi qu'on va jeter ça? Supprimer. Voilà. Et maintenant j'aurai la place de le mettre. Attends, je vais mettre comme ça. Parce que sinon ça gêne les trucs. C'est en ce sens-là qu'il est un petit peu vieillot le jeu. Il a un petit peu des mécaniques, je trouve un peu vieilles. Donc là, ici, maintenant, je vais pouvoir faire de la corde. Je vais en faire 5 ou 4, peu importe. Ce qui va me permettre de faire autre chose ici. Des bouteilles? Je peux faire des bouteilles. Ah, pour boire. On va voir, attends, on va pas tout mélanger. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc là, vous avez ce thème-là qui est, on va dire, on dirait des workbench, enfin des trucs un peu. Là, il y a les panneaux solaires. C'est ça qu'il est un peu surprenant ce truc-là. On voit que si j'ai 5 scotch, je peux refaire une poêle. Voilà. Ici, je peux replanter de l'herbe. Ouais, ça doit être ça. Ici. C'est tout ce qui est culture, avocat, ouais, de la culture, des poulets, des machins comme ça. Ça, c'est du visuel. Donc là, je peux très bien faire une barrière avec des clous, parce que j'ai des clous. Il y a d'autres trucs, voilà. Ici, je peux faire un... Ah, je peux vendre des... Ah, j'ai une étale. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je peux déposer mes trucs et peut-être les vendre. Pour que les gens ils viennent acheter ici. Donc ça veut dire que je vais agrandir vachement le truc. Ici, une maison du personnel ordinaire. Je peux embaucher des gens. 80 briques, bah, dis donc. Enfin, il faut pas mal de ressources. Là, il y a un garage. Ah, parce qu'on peut. Ah ben voilà. J'ai un quad. Un quad, un vélo. Putain, je me plaignais du déplacement. Ouais, c'est marrant, c'est un peu comme Dinkum, mais pas le même. D'accord. Ok. Et ça, on peut avoir un animal, donc peut-être un petit aquarium. Ah non, un aquarium, un grand aquarium, un vivarium. Donc c'est à dire qu'on va, d'accord, on va capturer des choses. Un générateur. Je vais le faire. Et on verra bien. Est-ce que je peux le faire ou pas? Ah non,
Dommage, il me manque des trucs, oui, d'accord. Je peux refaire un deuxième four. Qu'est-ce que je peux faire là? Après ça. Alors, on va faire le cuisinier, ouais, c'est pas mal. Ce que l'on va faire là, c'est on va couper des arbres parce que je vous rappelle que on va avoir la possibilité de faire des coffres. Donc du coup, on va couper beaucoup d'arbres. Je vais débloquer En fait, là, je cherche à débloquer les coffres. Au moins, je vais pouvoir mettre plein de coffres. Je vais en mettre beaucoup, hein, parce que comme dans le jeu, il y a beaucoup de choses. Je vais en mettre beaucoup. Voilà. Compétences améliorées. Ma vie. On va juste supprimer ça. 2 secondes. Manger ça. Bon, il a plus faim, il ne cassera pas les poires avec ça. 3. J'ai tout. Les 3 là, les 4 arbres, je les vire. Je me pose même pas la question. Il va se fatiguer, mais c'est pas grave. Moi, c'est fait. Et si j'ai une maison à mettre, je la mettrai ici. Ok, c'est bon, tout va bien. Allez, go. Ça aussi. Moche, ça me prend de la place. On va nettoyer un peu là, parce que c'est vraiment pas cool là, ce truc. C'est déjà ça. Alors, on va voir si je peux maintenant faire un coffre. Pas, je sais pas si c'est avec ça. Je peux faire un saut. Ah, nécessite une compétence artisanat. Ouais, mais on sait jamais. Vas-y, fais. Fais un saut, on sait jamais. Ça peut me servir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, j'ai une compétence artisanat, je crois que j'avais choisi ça, ou alors c'est parce que j'ai déjà fait des trucs et une canne à pêche, ça c'est cool. Ok, 60% elle est en train de se faire. On va voir B, qu'est-ce que je peux faire? Un établi, toujours. Ça non, là je peux rien faire de spécial. Ici, je peux mettre des rochers. Des rochers. Faire une route. Route ordinaire. D'accord. Ok. Oui, on peut vraiment. D'accord. Un trottoir même. C'est bien. Ok. J'en suis pas encore là. Là, les shops, ça m'intéresse. Mais il faut beaucoup trop de trucs. Ça encore, ça serait. Ça serait jouable. C'est quoi? Une maison que vous pouvez louer. Putain, des touristes, d'accord. Contre quelques pièces. Oh, c'est sympa, ouais. Ça me plaît. De faire ça me plairait. Donc j'ai déjà les cordes, les clous, bah, je peux pas les faire encore parce que j'ai pas trouvé de métal. Mais ça aussi c'est faisable. Vous pouvez ajouter des objets. C'est quoi? Boutique pouvant être utilisée, d'accord, c'est une boutique. Pour vendre des articles aux touristes. C'est cet aspect-là qui n'est pas dans. Si on choisit entre. Si on hésite entre Dinkum et Spirit of Iceland. Spirit of Iceland est. Et il y a un aspect touriste, vente, achat de trucs qui est sympa. Qu'on ne retrouve pas dans Dinkum, pas comme ça. Income, on peut faire venir des gens, ok, mais c'est pas aussi calé sur le touriste et c'est pas, il n'y a pas de gain recette et tout ça, il n'y a pas ça.
Oui, parce qu'après, il y a la maison, il faut la meubler aussi pour que les touristes puissent dormir. C'est marrant. Ok, j'ai un seau. À quoi ça me servir, j'en sais rien. J'ai toujours. Alors, je vais regarder, est-ce que j'ai débloqué la collecte? Attends. Débloque le coffre en bois à fabriquer dans le menu création. Alors, il est où le menu création? Ah, peut-être c'est là alors. Attends, B. Est-ce que c'est le menu création ça? Peut-être que je l'ai, mais je ne sais pas. Attends. Oui, c'est ça. D'accord. Alors là, il me faut des petites feuilles. Et on va en faire plein. Il me faut beaucoup de feuilles. Je sais pas ce que c'est sac est plein, oui, d'accord. Est-ce que tu as des feuilles sur toi? Non. Alors, on va manger. On va déposer des trucs. Ça, c'est quoi? Du minerai de cuivre. On va faire du min. Attends, je sais pas si on peut faire du minerai de cuivre pour s'alléger de trucs là. Okay. Lingot de cuivre. Est-ce que. Non, j'ai toujours. Okay, déposé. Voilà, maintenant on va essayer de prendre ceci. Est-ce que j'ai pris la bonne ressource? Oui, c'est bon. Donc maintenant je vais couper plein de plantes là et récupérer uniquement ce que je veux pour faire le coffre. Alors je ne sais pas si les coffres sont interactifs avec le craft. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le coffre pour aller chercher le truc. Ça, j'en sais rien. Alors, les coffres, on va les placer. Il va falloir que je réfléchisse parce que. On va les placer ici, les coffres, je pense. On va virer cette pierre-là. 5. C'est du cuivre, ça. Et on va mettre B. On va faire un petit coffre. Oh, putain, ils sont petits, hein. On va faire. Est-ce que je le mets là ou pas? Oui, allez. Un. Je vais en faire plein. Hein. Comment je peux pas le. Ah oui, parce qu'il y a une plante. D'accord, pas de problème. On va s'occuper de ça. Faut vraiment qu'il n'y ait rien sur le truc, quoi. C'est fou. Alors on va se mettre là parce que sinon c'est pas ça va pas le faire. B, est-ce que je peux faire là maintenant? Non parce que ça gêne. Oh purée de Brest. Alors, on va déposer. Déposer tiens ça. Voilà. On va prendre tout ce qui est là. Voilà, là aussi. On va le déposer ailleurs. Voilà. On va le déposer ici. Bon, on est tranquille. Bon, ok. Et maintenant, on va poser les autres coffres. Enfin, déjà là, ici, sur ce coffre, on va déposer des trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est super, mais j'en ai rien à faire, moi. Alors, on va déposer. Comment? Oh là là, malheur, non, me dis pas que c'est ça. Bon, je me tais, je dis rien. En fait, on peut pas prendre et déplacer. Misère. Oh, misère. Je ris parce que ça c'est hallucinant de voir ça, quoi. Hallucinant. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Attends, on va prendre. Ouais, parce que la place, à la base, je veux des bois. Donc, putain, ils l'ont fait. Oh là là.
Je veux pas m'embêter la vie. Voilà. Donc du coup, moi je suis pas emmerdé là. Ok. Donc tout ce qui est feuillage, on va le mettre là. Feuillage et agriculture là, tout ça, voilà. Ça c'est bon. Ici, c'est tout ce qui est ressources comme ça. Ça, c'est de la résine, ouais. Ouais, bon, on va utiliser ça comme ça. Ça, c'est du. Ok, mais ça, on va en avoir besoin. Ici, on va mettre ici. On va nettoyer tout ça là. Arriver. Non, attends, si je fais contrôle, est-ce que ça marche? Waouh, non, y a vraiment du travail à faire là sur ça. Ça, c'est des morceaux de ruche, je sais pas quoi. Alors, ce qui est, ouais, je pourrais mettre. C'est alimentaire hein, quand même la ruche. C'est pas du. Je pensais que c'est du caca. C'est de la ruche. Morceau de ruche, d'accord. Enfin du miel quoi, tout simplement. On y voit déjà un petit peu plus clair parce que là franchement. Le mettre plutôt là. Parce que c'est un élément qu'on se sert pour dont on se sert pour crafter. Ouais, voilà, enfin, il y a des points, il y a, dans Dinkum, j'ai pas trouvé de points négatifs, mais dans ce jeu-là, oui. Après, il est intéressant dans le sens où il y a un petit truc d'un aspect commerce qui peut être sympa, je pense, à terme. Parce que c'est en bas, il y a un truc qui se... Il y a un truc. L'eau. Je vais commencer à manquer d'eau. 8. Non. Faut que j'aille chercher de l'eau en fait. Je sais pas. Y a... Oh. Ah, je peux... Alors j'ai de l'eau, mais je peux pas la boire. Fantastique. Ok. On va. Ça, c'est bien. Il faut créer des bouteilles, je pense. C'est qu'est-ce qu'il me faut quoi? Du scotch. Pour faire du scotch, il faut quoi? De la graisse et des feuilles. Donc de la. Pas de la graisse, mais ouais, un truc blanc là, je sais pas ce que c'est. J'en ai pas. Ah, pierre et ça, et je fais de la brique? Ok.
Je vois brûler, ouais. Va falloir que je fasse, que je trouve. Alors, je sais pas où est-ce que je trouve. C'était quoi là pour le. C'est quoi ça blanc là? Ah, bouteille vide, il manque de la résine. C'est juste de la résine qui me manque. Ok. Je peux en faire une ou deux de bouteilles. Alors, la résine, c'était ici. Parce que là, je vais me manquer d'eau. Je vais aller au bord de l'eau là-bas, mais je pense qu'il me faut une fontaine. Ça suffira pas là. Je pense pas qu'elle est potable l'eau. Il faut que j'aille à gauche, tout à fait à gauche, dans l'autre village, il y a une fontaine. Parce que là, il y a de l'eau. Mais tu vas voir que je peux pas la voir. Alors je vais l'équiper au niveau du 9. Voilà. 9. Tu vois? Ah, peut-être que. Génial. Donc est-ce que je peux boire maintenant? 9. Ah, ben tant mieux. 9. Ok, super. Bah on va pas arrêter alors. J'ai pas soif. Ok, bon bah c'est bon. Ça va. J'ai fait. Parce qu'après il fallait aller à une fontaine. Mais là c'est de l'eau douce, c'est pas de l'eau de mer. Donc ça va, c'est cool. Alors si je veux boire, je vais la mettre ici le truc. Ça c'est bon. Et ça je vais la mettre ici, j'en ai pas besoin. Ça c'est bon. Et ça aussi, j'en fais rien du tout pour le moment. Donc là, on va récupérer des briques. Ici, ça c'est normal. Paquet de clous, ouais, mais il me faut de chest pour ça. On va faire B, voir ce que j'ai. Les briques vont me servir à. Ah, c'est exemple, ça, une cuisinière. Tu vois? Je pourrais faire une cuisinière avec des pierres et. Ouais. Une cuisinière, je vais faire ça. Donc. On va prendre les pierres là et on va faire une cuisinière. Toc. Toc. Et il fallait du bois à brûler, j'en ai aussi. Allez, prends-toi. Ça va embêter la vie. Allez, viens. Brique. Est-ce que je peux en faire? Non. 6, c'est ça? 6. Ok. Je serais presque d'avis d'en faire deux de ça. Attends, est-ce que je peux. Franchement, parce que. 5 scotch, ouais, mais pour du scotch, il me faut. Il me faut. Faire du scotch. Il me faut le truc blanc là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas où j'ai vu ça. Attends, on va aller par là, peut-être que. Non. Il y a un truc blanc, j'en ai jeté. Je sais que j'en ai eu, j'hésite en la graisse, mais je suis pas sûr. On va mettre tout ça là. Brique, c'est cool. Des pierres, j'en ai presque plus. Ça, on va le mettre ici. C'est de la matière première. Enfin, matière, pas première, non, mais c'est de la matière craftée. Ça, je la récup. Ça, c'est bon. C'est bon.
Oh là. On va prendre de la pierre, donc on va faire 5. On va s'attaquer de la pierre. Alors attends, est-ce qu'il y en a ici? Je pense que ça, c'est. On peut attaquer ce truc-là, je pense. Mais je vais pas le faire ça, je vais faire ça là. Attends, ouais, c'est là. Là, je crois que la pierre, il n'y a pas de. On peut enlever vraiment les pierres qu'on veut. Si on veut. C'est cool. Ah, minerai. Tiens, bah tiens. Première nouvelle. Alors, dans ce cas-là. Est-ce que je peux virer celle-là? Eh ouais, je peux. Super. Ça va me faire pas mal de minerai, je pense. Il va me falloir deux fours. Pas avec un four géré comme ça. Mais est-ce que je peux en faire un deuxième? Il me faut. Ah bah encore du Charterton et j'en ai pas. Je sais pas comment faire ça. Voilà, Charterton, il me faut. Voilà, de la graisse, ouais, c'est ça. Et pour me faire du Charterton, il faut de la graisse. Donc pour avoir de la graisse, il faut que je tue, je pense. Des animaux ou quelque chose, ou alors peut-être si je pêche. Ouais, mais non. Comment j'ai fait avoir de la graisse là? Attends, est-ce que j'ai pas trop de trucs chez moi dans mon machin là? Ouais. On va relancer le truc 100% là. On va relancer avant de partir. Lingot de cuivre. Ah bah tiens, on peut faire du lingot. Ok, confirmé. Après, je peux peut-être les vendre aussi, hein. Ça, on va le mettre dans l'état qu'il est normalement. Là. Attends. Quoique non, je vais le garder parce que ça me fait. Ouais, mais là. Non, je vais le poser. Je vais le poser. Je les récupère. Je les récupère après. Voilà. Au moins, j'ai de la place pour prendre. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça j'en fous rien du tout. Alors rien du tout. On va le mettre là. Autant l'agriculture. Ok. C'est bon. Ah, il a déjà fini? Ah. Je peux rien faire de spécial. On va rentrer ça. On va essayer de voir si je peux avoir de la graisse. Je suis fatigué là, non, ça va. Un peu soif peut-être. Et faim. Alors faim, c'est 7. Est-ce que c'est par là ou pas? Non, c'est pas par là. Tiens, on peut casser un mur là. Il y a. Tu vois là, on dirait qu'on peut casser ce truc là. Ah bah oui. Ah, je pensais que c'était une grotte. Donc là, on suit le chemin là. On va traverser le pont. Il y a un mec là d'ailleurs, peut-être s'il faut. Je sais pas comment il s'appelle. Non. Il y avait un mec au départ. La première quête que vous faites, vous donnez des choses à ce mec là, qui construit le pont parce que le pont est cassé. Voyez ça se fait plus quoi dans les jeux. Il n'y a pas besoin de temps de chargement juste pour ça. C'est là où c'est. Où je dis où il y a quelque chose dans le mode où le moteur de jeu ne il y a quelque chose qui le ça limite quelque chose en tout cas. Soit le jeu est bridé, soit le jeu est le moteur est vieux. Et donc du coup voilà, pas adapté on va dire. Ça c'est un camp abandonné, pour rien faire. Et là on arrive à, on commence à avoir les trucs. Là où je dis que les caméras c'est chiant, voilà, exemple là, voilà. Il va y avoir une maison ici à gauche, là, sur ma... enfin, vers nous. Voilà. Oui, là, il y a une maison. Comment? Alors, je peux pas la voir, et je ne peux la voir que si je fais ça. Tu vois? C'est ça qui est dommage. Tiens, on va parler avec elle. Je pense qu'il y a Diana. Super. On peut être sympa et moins sympa aussi. Hein. Donc elle me dit, je vois que tu portes des armes sur toi, ce n'est pas l'arme idéale. C'est bien, mais je vais faire un combat.
Bon, c'est ce que je vais faire, j'ai récupéré ma vieille maison, ça vaut mieux que rien, je suppose. J'ai eu à me battre quelques fois, mais pas très souvent, il faut bien commencer par quelque chose, non? Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'essaie toujours de faire attention à ce qui m'entoure. Je n'en ai pas, mais je pense en avoir vraiment besoin, pas vrai? Pardonnez. Allez, moins 5, ouais. J'ai perdu une amie. Mauvaise journée. Parce qu'elle voulait qu'on lui réponde. Tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? De l'huile de bidon. Ah, d'accord. De l'huile, c'est de l'huile. Alors, ça, on peut trier nos déchets. C'est super. Ce qu'il me veut, lui. Alors, c'est une fille. Oh, un nouveau visage. Je m'appelle Hermie. Maison là, derrière les bois, ok, ouais, ça, ok. Et alors, ah, comme tu peux le voir avec mes vêtements, d'accord, ouais. Je m'appelle Wook, je viens d'arriver, un peu plus découvrir la ville, la connaissance de tout le monde, voilà, plus 5, elle est contente. Ouais, si vous allez dans le sens du poil, ils sont contents. Si vous commencez à être un peu condescendant, on peut, parce qu'il y a un mec à un moment donné, il me dit son nom, et dans les réponses. Je pouvais lui dire bonjour, machin, tout ça. Et dans les réponses, il y en avait une, en troisième, c'était c'est comment déjà ton nom? Voilà, donc ça, pas très bien. Bon. Tiens, tu vois là, voilà. Voilà encore une erreur de gameplay. Comment tu veux que je vois, moi, ça? Alors, il faut faire ça. Enfin, c'est pas top. Alors, l'hôpital, il n'y avait personne, moi, quand j'y suis allé. C'était la nuit, mais... Ah, il y a quelqu'un quand même. On va lui dire bonjour. Salut. Je vais bien, il trouvait son sens. Je vais arriver. Plus de super. Après, je pense qu'ils peuvent vous donner des quêtes ou s'ils ont besoin de trucs. Voilà. Ah, alors, on est ici, mais il y a un truc. Il y a ça. Les relations, là. Il y a plus, je vais attends, c'est pas ici, c'est ça. Voilà, 10 XP social plus 10 relations. Voilà, si j'ai 10 relations, je gagne 10 XP. Et il faut que je trouve quelqu'un pour réparer la jetée aussi. Ça, après, on regarde bien. J'ai beaucoup de choses à faire. Tiens, ça, je découvre. Vous voyez, je découvre. Plus un marchand, c'est cool. Commercer, et eh ben, toi, mon gars, je vais t'en vendre. Oh oh, j'ai que ça là-bas. D'accord. On va faire un peu de sous. Voilà. C'est cool. Je peux acheter des bouteilles d'eau, tiens. Combien il est vend? 30. Combien j'ai? 600. Ok, je vais en prendre. Ouais, parce qu'au moins, je m'embête pas la vie. D'accord. Okay, on peut parler peut-être. Oh, cette situation doit être. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends. L'île d'où je viens est maintenant sous le joug des pirates. Ah, d'accord, ça veut dire qu'il va falloir. Je ne sais pas si je vais retourner un jour. L'important est que tu ailles bien maintenant. Relax du passé. Oh, cette situation doit être horrible. Est-ce que les pirates sont toujours. Non, sont méchants. Plus 2. Pirates sont des personnes de la pire espèce. J'aime bien le jeu qui veut mettre de la violence. J'aime bien. Ah voilà, c'est là où c'est cool parce que si je fais 9, normalement, 8, c'est 8. Voilà. Et du coup, est-ce que je peux remplir. Attends, est-ce que je peux remplir là. Ah, c'est bien ça. Et donc, est-ce que ça m'a rempli mes bouteilles? Ouais, voilà, j'ai 6. Voilà, au moins. Ça me permettra d'avoir de pouvoir aller un peu plus loin sans m'embêter la vie. Donc là, il y a des maisons, il n'y a pas de porte. Ça me rappelle certains jeux d'ailleurs. Et on peut rien faire. On rentre dedans, il n'y a rien à fouiller, y a rien du tout. Il y a des bestioles là. Ah, tu voulais de la graisse, tu vas en avoir. Alors, on peut pas les tuer ceux-là. Oh, d'où il vient celui-là? Salut, commerce. Ok, d'accord. Il vend que 6 dollars le minerai de fer, c'est tout? Putain, bah j'en prends 10, hein. C'est de l'argent, hein.
60 $. Merci. Ouais, bon, on va pas abuser. Ouais, c'est cool. 10, c'est bien. Merci. On peut parler. Ici, parler. Salut, désolé pour la brève discussion. Blablabla. Ok, c'est le mec qui travaille. Désolé, je m'appelle Tony. Tony, les bons tuyaux. Je m'appelle Wolf, machin Tony. Voilà, à moins 5, merde. Oh putain, j'aurais dû lire. Pas grave. Désolé, Tony. Ah, c'est mal barré. Pour moi, ma voiture, mon scooter, c'est mal barré. Voilà, ouais, l'intérieur du village. Des trucs là, voilà, ok, ça j'ai compris. Ça, je peux pas l'utiliser. Il n'y a pas le vol dans le truc, dans le jeu. Par contre, je peux prendre des trucs. Je pense que ça, je peux le prendre. C'est un peu de vol, mais. Mais bon, c'est la seule. Enfin, ça fait partie des très rares interactions qu'on peut faire dans le jeu. Vous voyez, là, je peux rien faire. Le saut, je peux pas le prendre. Tout est collé. Ça aurait été sympa d'avoir un coffre dans la maison. Tu vois, là, on peut se permettre des trucs comme ça. Mais on peut pas regarder ce qu'ils ont, c'est très frustrant. On peut même pas éteindre les lumières, donc voilà, y a rien, c'est dommage. Et ouais, le mec avait un ordi, ils ont internet ici. Bon. Là, c'est l'hôpital, on l'a vu. Lui, c'est le. Mais non, je commence à le connaître, c'est le mec de la bibliothèque, c'est un con. Voilà. Être là. Alors, bonjour vous, je souhaite préparer quelques jus de fruits. Pour mon père aussi, les clients d'un gnignan, confirmé, ouais. Je sais pas, j'ai des quêtes, jus de fruits. Voilà. J'étais pas obligé de la prendre. Beau domicile. Ah, attends, bureau et domicile à de l'ancienne visite uniquement. Pas quoi. Ah oui, d'accord. On peut visiter uniquement la journée. Ça, c'est une ordi. Elle est où la vieille dame? Bon, il n'y a pas. Ouais, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Okay. Ah, c'est bon. Oh là là, misère. Ah oui, c'est. Dans l'esprit, c'est. Ça me fait penser à certains jeux 2D. Tiens, j'ai joué à un jeu qui est un peu pareil que ça. C'était Duke Nukem. Celui en 2D. En face. Eh ben. Le moteur, on avance, pas le 3D, hein. On avance, pareil, on passe une porte et en fait de l'autre côté on rappuie, en fait on re-rentre. Ça me fait penser à ça. Tiens, ça j'avais pas pu le prendre la dernière fois. Hop, merci. On va pas aller dans la maison, je pense qu'il y a personne. Voilà. Il faut aller. Ouais, mais 30 bois, ça c'est bon. Je crois qu'il y a une plaque d'égout. Alors, je me demande s'il n'y aurait pas des sous-sols parce que. Pourquoi il y a ça? Ah putain, putain! 6. Alors, ça c'est Dinkum aussi. Hein. Dinkum fait ça. Donc ça, si je veux faire une ruche et vendre du miel, je pourrais faire ça. Alors tiens, on va aller la jeter. Ah bah non, il n'y a pas la jetée, c'est pas ici alors. Je sais pas où c'est. Il y a quelques murs invisibles hein, qu'on soupçonnerait pas et pourtant il y en a. Ça, celui-là est en éteint. Ici. Faut un trou, le premier truc que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir dedans. Et eh ben tu peux pas. Là il va y avoir un chargement normalement. Là il y a des chaussures. Ben, pourquoi ils ont fait ça? Là, tu le. Si je fais. Alors, on peut même pas agir sur la caméra. En fait, ça c'est un passage scripté. On peut rien faire. Même pas regarder en bas. Quoi?
commencer à être fatigué. On va dormir un peu. Puis on va arrêter le jeu là. Hein. Je continuerai, je pense, parce que s'il n'y avait pas eu la construction du four, les locations de maison, tout ça, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas pris le jeu. Voilà. Ça, on va se gaver les poches parce qu'on va aller les revendre au mec là-bas. Moi, l'aspect culture, je vais pas faire ça tout le temps, quoi. Je vais plutôt m'attarder sur les minerais, tous ces trucs-là. Donc ça, j'ai pris des trucs. Ça, tu as la récup. On prend deux. On vient ici. Que je peux en faire? Ouais, voilà, lingot de fer, ça c'est cool. Ok, on va en faire trois. Déjà ça. Et est-ce que j'ai de la graisse sur moi? Non, j'ai une abeille. Donc l'abeille, on va la laisser ici parce que c'est un peu particulier. J'espère qu'elle va pas mourir. Ah bah tiens, l'abeille est la ruche. Ça tombe bien. Ça, on va les garder parce qu'on retournera les. Enfin, on va les garder. On va les entreposer pour l'instant, mais on ira les vendre. Je vendrai peut-être pas tout, voilà, mais une partie où j'en ai. Où j'ai énormément de choses, je le ferai. Là, je commence à me voir un stock, c'est plutôt pas mal. Mais là, pareil, c'est limité. Ici, je pense que c'est limité. Donc, il doit y avoir un truc, genre ici, pour dire, voilà, quand vous avez fait quelque chose, ça va vous donner, ça va augmenter quelque chose, tu vois. Ici, pareil, les collectes. Là, j'ai 30% d'augmentation du bois en coupant, tu vois. La prochaine fois, c'est un coffre en fer. Donc plus je coupe du bois, là, la prochaine fois, je vais faire un coffre en fer. Ici, débloque la fabrication de lingots. Là, c'est processeur de minerai, donc utiliser un menu création. Donc il faut que je prenne beaucoup de pierres pour avoir un processeur de... genre un truc automatique, quoi. Ici, les constructions de poulailler. Alors il faut agriculture. Ah ben voilà, je vais être obligé de faire de l'agriculture pour débloquer un poulailler, mettons. Débloque une clé ordinaire qui déverrouille les coffres. Ah, j'avais pas ça. Débloque une trousse. Ouais, mais il faut la faire, la clé. Ah, mais oui. Je peux faire la clé, peut-être. Attends. On va couper, mais juste avant. Merci. Est-ce que je peux faire une clé? J'ai vu tout à l'heure. J'ai vu qu'il y a un moment donné où j'ai une clé. Alors, il me faut un lingot et un clou. Ah, dommage. Est-ce que je peux faire un clou? Normalement oui. Oui. Un paquet de clous. On va en faire. On peut en faire moins? Non. Ok, 5 clous. Et ici, on va attendre que ça soit fini. Après, je vais arrêter la vidéo. On va faire une clé et on va ouvrir ce coffre ici que je n'arrive pas à ouvrir. Dans les. Allez, vite, 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 que je dois couper là. Parce qu'en plus, le mec va avoir sommeil, donc ça tombe bien. Voilà, là, je prends ça. Bon, c'est pareil, je peux venir ici ou ailleurs. Et on fait la clé. Elle est où? Clé ordinaire. Une. Et alors, je suppose que peut-être je vais la perdre. On va voir. Ouf. Eh ben, je l'ai, la clé. Il me faut une clé pour ouvrir. Putain, me dit pas, il faut que je la mette dans les mains, c'est ça votre histoire? 8, 9, on va faire, oh putain, 7. C'est ça, il faut que je l'ai dans les mains. 7. Attends, 7, c'est bon, je l'ai. Eh ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Aucune idée. Ok, j'ai ouvert, mais c'est quoi le truc? Ah, tac, oh. Alors ça par contre, c'est cool. C'est un sac à dos et j'ai bien fait d'ouvrir. Putain, non, non, je veux pas prendre tout. Là, on prend tout. Par contre, alors, on quitte. Menu comme ça, on peut pas faire l'inventaire là. Attends. Ah, il y a là-bas. Attends, comment je fais? Fabrique équipé. Yes! Merci, ça c'est super cool. Est-ce qu'on peut le réutiliser maintenant? Oui. D'accord. Okay. Et les sous là, ils sont allés où?
Ah, j'ai pris les sous, mais je les vois plus. Ok, d'accord. Bon, ben c'est bien, on va s'arrêter là. Ouais, voilà, c'est bon. On va poser ça ici. Donc maintenant, je sais que... faire des trucs. Ok, je vais vous dire à bientôt. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà quoi. Donc là, on peut le faire ou pas? Ouais, ce qu'on peut faire, c'est ça. Pas plus. Allez, salut et à la prochaine. Ciao.